Permettez-moi d'avoir une pensée à ces travailleurs, ces braves travailleurs que sont les transporteurs, les chauffeurs, les marchands ambulants, les tchak-tchak, ces anciens travailleurs de la Sotrac, mais également ces travailleurs qui réclament des salaires, comme ceux du Fera, mais également les difficultés traversées par une bonne partie de la presse,
occasionnant des retards d'arriérés de salaire pour certains de vos confrères. Nous prions Allah que les difficultés que le Sénégal traverse actuellement soient résolues le plus rapidement possible. Nous invitons les autorités en charge d'être beaucoup plus éclairées et de se concentrer davantage sur les difficultés, sur les problèmes des Sénégalais. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'espoir en ces autorités. Nous espérons que dans un futur très proche, tout sera fait pour réduire le train de vie de l'État, mais également le coût de la vie. Donc, nous prions Allah qu'il réponde ses bienfaits sur le Sénégal et sur les Sénégalais. Alhamdoulilah. Mais écoutez, c'est important. Ce qui est clair, c'est que le serment de l'imam renvoie véritablement à la situation actuelle du pays. Il est important que chacun retienne la leçon. Il est important que chacun puisse véritablement comprendre que nous sommes à un tournant décisif de notre histoire. Le Sénégal a besoin de toutes ses forces, de ses braves fils, pour arriver à un résultat. Et ce résultat, c'est rien d'autre que l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais. Donc, j'espère que le serment de l'imam n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et que autant les autorités que les Sénégalais en général prêteront une oreille attentive pour permettre à notre pays d'être résolument installé sur les rampes du développement. Juste une question par rapport à l'actualité, en rapport avec le redressement fiscal. Ça fait un débat. Votre entreprise de presse a été citée. En tant que patron de presse, quel analyse est-ce que vous faites ? Vous savez, moi je pense, on me parle de pression fiscale. Je ne m'inscris pas dans cette logique. Un État a l'obligation de collecter des recettes. C'est à partir de ces recettes que nous arrivons à financer les politiques publiques. Mais je l'ai dit tantôt, moi je ne suis pas dans les petits combats. Je préfère m'intéresser aux grands combats. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, le Sénégal aborde un tournant extrêmement important. Je vous ai dit que je ne suis pas dans une logique de réflexion orientée sur une pression fiscale. Pour moi, les autorités sont en train de faire leur travail. Mais le gros souci, c'est quand on présente ça d'une manière extrêmement virulente, de manière éhontée et à la limite diffamatoire, disant ces patrons de presse, que j'encourage au passage, parce que je suis un investisseur dans le secteur de la presse, je sais les difficultés auxquelles ces patrons de presse sont confrontés. Ça fait 20 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Je n'ai pas un litre de gasoil au niveau de des médias. Ce n'est pas mon chauffeur qui est payé là-bas, ni ma sécurité. Je suis obligé de prendre de l'argent ailleurs pour investir. Et c'est pour préserver des emplois. Parce qu'aujourd'hui, si ces structures étaient en situation normale pour pouvoir s'acquitter de leurs devoirs, il n'y aurait certainement pas de problème. Seulement, quand une société est redressée, vous avez trois possibilités. C'est d'acquiescer. Oui, je suis d'accord, vous allez payer, ce qui est normal. Vous n'êtes pas d'accord. Vous n'avez pas les moyens. Vous discutez avec l'administration fiscale, l'administration va vous faire des facilités. Ou vous n'êtes pas d'accord sur le redressement, vous allez en justice. Aussi simple. Vous proposez quoi comme solution ? Je dis, non, on n'est pas à ce stade. Il y a un premier ministre qui a accusé ses patrons de presse d'être des détourneurs de deniers publics. C'est ça le problème. Je dis, moi, j'ai été... on a fait une opération de vérification dans mes sociétés. J'ai géré
en l'espace de 5 ans, 1080 milliards. 1080 milliards que j'ai gérés en l'espace de 5 ans. L'administration fiscale m'a décerné une note d'absence de redressement. Est-ce que vous pensez qu'un groupe de presse qui ne fait pas 2 milliards ou 1 milliard de chiffre d'affaires pourrait être aujourd'hui une sorte de tendon d'Achille pour moi? Non, je suis désolé. Vous savez, c'est un peu ñi koy déglu ñoy nité wax bu dofé nop yi koy déglu ñoy nité li am solo moy ñun ci dëkk bi lañ dëkk dañoo jariñ réew mi dañoo liggéey ci réew mi duñu nata xuna duñu al topé dañoo liggéey ba mel ni ñu mel ci réew mi ku mer sa problème la ku am problème sa problème la mais li woor moy liguey bi nga xamné la presse ñu ngi koy def dama japp né dañ leen wara sante par contre li am solo moy mënuñu leen traîner comme de vulgaires bandits mënuñu wax né ñom ay satch lañu jël ay patrons de presse né ñom ay satch lañu man dama géré 1080 milliards 5 ans ñu jox ma absence de redressement ñom wa impôt ñomako jox kon du 2 milliards moy yak suma der man bugan geey man awma ndariñ ci Abdoulaye Wade awma ndariñ ci Macky Sall musuma am privilège du ci Abdoulaye Wade du ci Macky Sall kon buma ken di joxagne wala dima sorxo sox non déggo luma la wax man sama compte sama alal sama compte sama alal sama bakkan sama compte sama alal sama bakkan ak sama liberté jaayé nako ndariñu sénégalais donc moi je n'ai pas ce problème là ce qui est clair moy man bougane duma djégué fuñuy satché duma bok ci ñuy satch et don satch moma gënal don fen kat man mané don satch moma gënal don fen kat waxuma lak nak fen kat bo xamné tribunal néna yow fen kat nga voilà légui rapidement ci serment wu imam limu wax ci kersa mais limu wax ci kersa mais lolu ñun ñëpp ño ci wara baye xel parce que luy dal li dal ci rew mi mais señ bi lolou ku nek daf ci wara am dafa am responsabilité bu mu ci wara bayyi xel parce que rew mi fiñu jëm liggéey biñ ci soxla mais dafa and ak dal ñom lañu takal ciak ñom lañu wax né liggéey leen ñom lañu wax né sénégalais yi son nañu dañu bëgg ngeen liggéey way ngal la way nañu bayyi wax bi te liggéey ci bëssu ki bi nak wañni non wañni jëg gi man duma mbéj gemiñu sam ta xawma lu muy wëliss dañ né ñom danañu ko waxtané non dañ né danañ ko waxtané parce que les acteurs ñu ngi tambli di xultu danañ ko waxtané wa nañu bayyi ba waxtané ko arrêté ko bu boba ma wax la man lima ci xalat jerejeuf voilà jerengen jeuf boy la ko gaan ay ngi dem lu mo dawe ni boy ni daw ko am anu mi ngi ci wa max ala wa leral ala leral ah wala ma yob diit demal demal demal